Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo make-up. J'en avais déjà fait une, mais il y a longtemps, c'était sur le thème de Noël, c'était en voix off. Enfin voilà, et là j'avais envie de vous faire un vrai make-up en face cam et de vous parler un petit peu de mes produits favoris. Voilà, je sais pas si ce genre de contenu vous plaît, vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire tout simplement. Et voilà, donc j'ai réalisé ce petit make-up avec des produits favoris. Je vous montre tout ça dans la suite, donc c'est parti. Ok, donc je me suis mis un petit bandeau magnifique dans les cheveux et on va commencer avec la crème. Alors je sais pas si c'est considéré comme un sérum ou comme une crème. J'utilise en ce moment le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Il me semble que de base c'est considéré comme un sérum. Écoutez, il n'y a pas écrit, mais moi je l'utilise tout seul, en crème de nuit et en crème de jour. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, qui va apporter du confort à ma peau. J'ai ma peau qui est très sensible et qui est très sèche. Donc elle a besoin vraiment de produits riches et en général, enfin il y a plein de produits qui ne sont pas assez confortables, qui ne sont pas assez riches pour ma peau. Et là, elle est vraiment comme il faut. On peut quand même se maquiller par-dessus sans souci, ça laisse pas de fini gras. Mais je sens vraiment que ma peau, elle est repulpée, elle a un film protecteur et voilà, elle est plus belle, elle est confortable et j'ai plus la peau qui tiraille après. Et c'est difficile pour moi d'avoir ce résultat-là. Bon, c'est un produit qui coûte très cher, mais que du coup, vraiment, j'adore. Donc, première étape, j'applique ma crème sur tout mon visage. J'en mets à peu près 3 pompes. En ce moment, j'ai plus de contour des yeux. J'ai fini tous mes contours des yeux. Donc, j'en mets un petit peu, mais j'essaie de ne pas en mettre dans l'œil quand même. Ça me brûle pas les yeux, donc c'est pas grave, mais faut que j'aille en acheter. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Première étape de la crème de fête. Et maintenant, on va passer à la crème solaire. J'essaye d'intégrer la crème solaire visage à ma routine en ce moment. Donc la crème solaire, c'est la Beauty of Joyson. Joyson, voilà, je sais pas trop comment on dit. C'est la Relief Sun, donc de cette marque là, c'est une marque coréenne si je me trompe pas. Je l'ai achetée sous les recommandations de vidéos YouTube de Colleen, donc de la chaîne Colleen, et de Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli. C'est deux personnes que j'aime beaucoup sur YouTube. Elles recommandent vraiment que des bons produits. Et quand j'ai vu que les deux recommandaient cette crème solaire là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la teste. Et elles ne m'ont pas déçue puisque je suis ravie de cette crème solaire. Elle laisse pas de fini collant, elle laisse pas de fini blanc. Vraiment, la peau l'absorbe et on peut se maquiller par-dessus. Enfin, vraiment, elle est nickel et elle est SPF 50+. Donc, c'est vraiment un gros favori. Je l'ai commandé sur le site YesStyle. Je crois qu'elle est dispo que là-bas. En tout cas, j'ai pris les liens qui étaient sous leur vidéo à elle. Et elle m'a coûté que 13 € et quelques. Donc, vraiment, celle-ci, je vous la recommande. Elle n'est pas très chère et elle est vraiment géniale. J'étais pas convaincue du fait de mettre de la crème solaire le matin parce que je me suis dit, même si elles sont plus ou moins bien, il y aura quand même un fini collant, il y aura quand même quelque chose qui va me déranger. Et au final, pas du tout. Je la mets vraiment quasiment tous les matins quand j'y pense. Et c'est limite une crème de jour. Je pense que pour des peaux normales ou sans besoin d'hydratation particulière, elle fait totalement l'affaire parce qu'on sent quand même qu'elle hydrate un peu la peau, qu'elle va apporter du confort. Donc moi, j'aime quand même rajouter ma crème puisque j'ai la peau très sensible. Mais je pense que vraiment, sur des peaux normales, elle fait crème de jour et crème solaire en même temps. Donc vous pouvez mettre que celle-ci sur votre peau. Elle est vraiment top. Donc pour le site YesStyle, j'ai commandé dessus. J'avais jamais commandé sur ce site-là, donc j'avais un peu peur, j'avoue. Je trouve que le site, il fait un peu peur avec des promos partout. Je le connaissais pas, donc
J'étais pas hyper rassurée, mais bon, encore une fois, puisque Colline et Marielle ont recommandé ce produit sur ce site, je me suis dit, bon, on va tester, je peux leur faire confiance. Donc j'ai commandé et j'ai pas une hyper bonne expérience avec le site. Le produit est top, hein, donc vraiment je regrette pas et je vais le recommander une fois terminé. Mais j'ai reçu le produit dans un vieux sachet plastique, vous savez les sachets blancs là, tout seul, paumé comme ça dans le sachet et avec les chocs du voyage, bah du coup heureusement que le flacon est flexible parce qu'il avait des pètes un peu partout, il était tout cabossé, heureusement il a bien tenu, heureusement qu'il est flexible parce qu'il a bien tenu, ça a juste fait des plis, mais il a bien tenu, donc il n'y a rien, le produit n'a pas été abîmé, pas éraflé, pas percé, quoi que ce soit, donc tant mieux. Mais je sais pas, en gros ils ont balancé le produit dans un vieux sachet, ils l'ont envoyé comme ça, il n'y avait rien dedans. Ça m'a laissé un peu perplexe, mais heureusement que j'adore ce produit-là. Et peut-être, pourquoi pas, commander d'autres produits sur le site pour me faire un autre avis. Mais en tout cas, là, la livraison, elle m'a pas rassurée non plus. Donc, je mets à peu près ça en quantité et je l'applique sur tout mon visage simplement. J'évite le contour des yeux quand même, parce qu'une fois, j'en ai mis un peu dans l'œil et ça m'a brûlé. Donc, à éviter au niveau du contour des yeux. Bon, après, si j'en mets là, ça va. Mais vraiment, éviter d'en mettre dans les yeux. Donc, éviter de trop se rapprocher. Voilà, ma crème solaire est mise et on va pouvoir passer au petit make-up. Alors, je vais vous faire un make-up que j'aime bien me faire en ce moment. Voilà, c'est un make-up que j'aime bien. Il est pailleté et je trouve qu'avec les beaux jours, on aime voilà, avoir un teint glowy, avoir des paillettes sur les yeux. Moi, j'aime beaucoup. Et là, c'est des paillettes claires. Je vais vous montrer ça de toute manière. Mais en tout cas, et puis vous l'avez vu sur la miniature, je pense. Mais c'est un make-up que j'aime beaucoup. Donc, pour commencer, on va faire le teint. Donc, je vais humidifier ma Beauty Blender. Donc, voilà, mon Beauty Blender est bien gonflé, bien humidifié. En fond de teint, du coup, j'utilise le L'Oréal. C'est l'accord parfait que je trouve chez Normal pour vraiment pas cher. Hein. Je l'ai payé 10,50 € quelque chose comme ça. Et c'est l'un de mes fonds de teint favori pour pas dire que c'est mon préféré. Je trouve qu'il couvre juste comme il faut. J'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Donc après, voilà, ça dépend des goûts de chacun. Mais je trouve qu'il couvre juste comme il faut. Il unifie la peau et il a un rendu lumineux. Alors, c'est pas boule à facettes. Il n'y a pas besoin de poudrer parce que moi, je ne poudre pas mon teint. J'ai la peau trop sensible et trop sèche pour poudrer. Donc, je ne le poudre pas. Ça reste lumineux, mais ça va pas bouger ou être trop boule à facettes. Donc vraiment c'est un fond de teint que j'adore, il unifie comme il faut, il couvre ce que j'ai envie qu'il couvre et il a un joli rendu lumineux sur ma peau. Donc je l'aime beaucoup. Hop. En général je mets une grosse pompe. Je prends mon miroir quand même parce que là je fais tout au retour mais c'est pas pratique. Et j'en applique simplement sur tout mon visage. Donc voilà, alors avec le soleil, je sais pas si vous voyez, mais on voit en transparence, hein, il y a encore ma peau, mais moi j'aime pas l'effet trop épais. Mais il a bien recouvert ma peau, il a bien uniformisé mon teint. Donc voilà, on voit encore hein, la texture de ma peau en dessous, mais moi j'aime bien ce rendu naturel et en plus j'ai pas besoin de le poudrer parce que vous voyez il est lumineux, mais il est pas trop gras, il va pas bouger ou quoi, il tient bien sur la peau donc moi ça me convient parfaitement. Je vais me mettre comme ça, peut-être qu'il y aura moins de reflets de lumière parce que je filme à la lumière naturelle donc forcément la lumière bouge. Une fois que le fond de teint est appliqué, on va passer à l'anti-cerne. Donc je mets le full cover de chez Makeup Forever dans la teinte 5 si jamais ça vous intéresse. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il n'est pas évident à travailler puisque c'est sous forme de pâte, mais
Mais je l'aime bien, il a un rendu très naturel, à chaque fois on le voit, il est imperceptible sur le, sur la peau, si on le travaille bien. Et il a quand même une très bonne couvrance. Donc j'en applique juste au niveau du creux de mes yeux. Comme ça. Hop. Et j'estompe. Vous voyez que il couvre très très bien. Alors on voit encore un peu mon cerne en dessous, le pli de ma peau, etc. Mais c'est normal et ça reste naturel. Donc, moi c'est un rendu que j'aime bien. Des fois il y a besoin d'en rajouter. Là je sais pas. Je pense en rajouter un petit peu. Hop. Il est modulable hein, et à chaque fois ils sont quand même bien dans la peau. Il faut juste bien le travailler. Voilà, là c'est parfait. Alors avec la lumière, on dirait que je suis très blanche, mais c'est pas le cas dans la vraie vie. Et au pire, ça se fondra un petit peu pour le reste. Ok, donc moi comme je vous l'ai dit, je ne poudre pas ma peau parce que elle marque. Là, si vous voyez, même au niveau de mon contour des yeux. Si je mets de la poudre, ça va marquer de fou. J'en ai testé plein. Et à chaque fois, ça fait pas joli, quoi. Ça marque trop ma peau. Donc, j'estompe bien. S'il y a besoin pendant le make-up, je réestompe un peu. Parce que toujours au niveau de l'anti-cerne, ça a tendance à bouger. Mais c'est tout ce que je vais faire. Je vais laisser comme ça. Et on va passer du coup au contouring blush. Du coup, pour mon bronzer, j'utilise la Cocoa Contour de chez Too Faced. Elle a 10 ans cette palette, mais je l'aime toujours autant. Donc voilà, elle est bien creusée quand même. Mais elle fonctionne toujours aussi bien, je l'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est un favori que j'ai depuis 10 ans maintenant. J'ai utilisé plusieurs bronzers, mais à chaque fois je reviens quand même à celle-ci. Je la trouve très jolie et elle est super pratique. Alors moi je fais pas un contouring, hein, je fais vraiment juste un petit coup de bronzer, donc je vais utiliser majoritairement, c'est pour ça que c'est celle-ci qui est la plus creusée, ce fard-là, cette poudre-là que j'applique en 3 sur mon visage simplement pour réchauffer. Je ne fais pas spécialement de contouring. Donc voilà. Ok, donc j'utilise cette petite palette, le fard que je vous ai montré, et j'en mets en 3 sur mon visage, vraiment quelque chose d'assez grossier. Je ne sais pas et je n'ai pas spécialement envie de faire du contouring. Voilà. Donc, aïe, j'ai mal à mon oreille. Ça fait mal. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. J'en mets vraiment grossièrement dans le creux de mes joues. Et je remonte un petit peu en haut. Voilà. Après, je vais encore estomper. Et puis, je vais mettre le blush, etc. Donc, ça va plus se fondre. Là, vous voyez, ça fait bizarre. Hein. Enfin, voilà la différence, je trouve. Je vais éviter juste d'en mettre trop. Là aussi, il y a la lumière qui fait vachement ressortir les contours. Dans la vraie vie, c'est moins marqué. Mais voilà ce que ça donne. J'en profite aussi pour faire un petit peu de contouring sur le nez. Enfin, c'est. Je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, j'essaye de faire des lignes histoire de structurer un peu plus mon nez. Je le fais pas tout le temps et la plupart du temps, c'est raté. Voilà. Mais j'essaye de le faire et de l'estomper au maximum. Voilà. Mais je trouve quand même que ça change quelque chose. Quand c'est bien fait, ça change quelque chose. Ça le rapetissait un petit peu et j'aime bien cet effet-là. Hop. Je sais pas si vous voyez. Je pense que oui, en plus avec la lumière, ça ressort. Mais je l'ai un peu plus structuré. Et je trouve que du coup, avec le bronzer au niveau du contour de mon visage, c'est un petit peu plus uniforme quoi. Donc j'aime bien faire ça, voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais
Mais j'aime bien ce petit résultat-là. J'ai vu que mon anti-cerne avait un peu filé et tout. C'est ce qui est logique, comme je vous l'ai dit. J'aime bien repasser un petit coup de Beauty Blender tout au long de mon make-up. Parce que vu que je ne poudre pas, bah forcément, ça file. Donc, je vais prendre quand même un miroir. Mais c'est pas pratique pour filmer en même temps. Et j'estompe simplement ce qui a besoin d'être estompé, quoi. Au niveau des paupières, ça marque beaucoup logique. Mais ça, je vais mettre une base, un fard à paupières pour que ça ne bouge pas. Hop. Voilà. En gros, ça donne ça. Ensuite, on va passer au blush. Donc, pour le blush, mon blush préféré jusqu'à maintenant, c'est le Coralista de chez Benefit. C'est un orangé. Et je le trouve vraiment super joli. Et avec ma teinte de peau, je trouve que ça match. Il veut pas tenir. Je trouve qu'avec ma teinte de peau, ça match plutôt bien. Donc si vous l'avez jamais testé, mais je sais pas s'il existe encore parce que je sais que Benefit ont refait un peu leurs produits là en ce moment. J'adore cette couleur et je trouve que du coup avec les teints un petit peu juste bronzés, ça match plutôt bien. Donc j'en applique en haut des pommettes. Oui, mon bandeau va être dégueulasse, hein, mais écoutez, on fait avec. Et donc j'en mets au niveau des pommettes. Je sais pas si vous voyez la différence quand même. C'est vache, c'est super joli. Franchement, moi j'adore. Ça fait vraiment effet bonne mine. J'aime bien les teintes un peu chaudes comme ça. Et vous voyez la différence? Enfin, moi j'adore. Donc j'en mets des deux côtés. Moi j'aime bien remonter un petit peu pour vraiment faire un effet fondu et juste comme si c'était juste parce que j'avais une bonne mine, quoi. Donc hop, au niveau du haut des pommettes. Et vous voyez, l'anti-cerne, il est pas parfait. On voit encore à travers, etc. C'est un rendu naturel. Il est modulable. Mais l'avantage, c'est qu'il est fin sur la peau. Mais c'est sûr que ça fait pas... Je recherche pas le teint plâtré et parfait. Voilà. Je cherche un truc naturel. J'ai pas la peau parfaite et ça se voit. Mais bon, j'aime bien l'effet bonne mine en fait de mon make-up. J'en mets un peu sur le bout du nez histoire de réchauffer, pareil, histoire de faire un rappel, je sais pas comment dire, mais pour unifier un petit peu le tout. Le bronzer, je fais un petit peu de contouring et le blush, j'en mets un petit peu histoire que ça soit pas que sur les extérieurs de mon visage. Alors je fais un petit peu au feeling, hein. Mais en gros, ça donne ça. Et moi, je trouve ça plutôt joli. Je vais vérifier quand même ce que je fais avec un miroir parce qu'avec le retour, on ne se rend pas forcément compte. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aime. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et encore une fois, c'est... Là, je fais mon make-up vraiment avec mes produits préférés. C'est mes indispensables, ceux avec lesquels je n'ai pas peur. Voilà. C'est le but, c'est vraiment de me maquiller en vous partageant mes petites pépites, mes pépites qui datent depuis très longtemps. Enfin, je pense, je sais pas si je pourrais vous apprendre quelque chose ou vous faire découvrir un bon produit, mais en tout cas, je trouve ça cool de pouvoir partager sur ce sujet-là avec vous. Donc, au niveau de l'highlighter, alors je sais pas s'il y a des gens qui étaient déjà sur YouTube au moment de l'époque YouTube du make-up, mais on entendait parler tout le temps du Soft and Gentle de chez MAC, donc leur highlighter phare. Et voilà, il y a 10 ans, quoi, ça a buzzé sur les réseaux. Et moi, je l'aime toujours autant. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur highlighter. J'en ai testé pas mal. Et à chaque fois, je l'ai trop marqué. Ça fait vraiment une barre, etc. Celui-là, il est super joli. Déjà, je trouve qu'il matche bien avec ma couleur de peau. Mais je pense qu'il est assez universel, celui-ci, pour le coup, avec n'importe quel type de peau. Ça fera joli. C'est très... c'est naturel, mais en même temps, ça se voit, ça se fond bien dans la peau. C'est brillant, mais pas pailleté. Je le trouve vraiment magnifique. De toute façon, je vais vous montrer. Mais donc voilà, favori qui date d'il y a une éternité. Mais je reviens quand même toujours à celui-là. J'en ai pas mal, hein. Mais je reviens toujours à celui-ci, honnêtement. Je trouve que les autres, ils se voient trop. Enfin, ça fait une barre. Ou alors, la couleur se fond moins bien. Mais enfin, voilà. Ça fait juste
lumineux, très naturel, enfin tout ce qu'on recherche dans un highlighter. Et voilà quoi, le Soft and Gentle de chez MAC. Je ne sais pas si vous étiez déjà là au moment de l'explosion de ce produit, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à le tester si jamais vous ne le connaissez pas, parce que 10 ans après, bah, j'en parle. Et voilà. Vous voyez le résultat. C'est ça que je dis, c'est très naturel, il n'y a pas de paillettes, c'est juste, ça fait vraiment teint lumineux et ça se fond bien dans la peau. J'aime beaucoup. Hop. En gros, ça donne ça au niveau du teint. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux parce que là, ça fait bizarre. Et bah, c'est parti parce que ça fait pas mal de temps que je filme déjà. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de baume à lèvres avant de passer aux yeux et donc de passer aux lèvres après. C'est le Sugar Mint Rush de chez Fresh. Donc c'est un baume à lèvres un peu mentholé qui va permettre de repulper un peu les lèvres. Je trouve qu'il fait assez son effet, c'est assez, assez joli et c'est agréable aussi sur les lèvres. C'est un baume à lèvres que j'aime bien, il coûte assez cher. Mais honnêtement, si vous cherchez un baume à lèvres repulpant, celui-ci est vraiment super. Voilà, donc comme ça mes lèvres, elles peuvent être un petit peu hydratées et elles ont le temps d'être un peu repulpées pendant que je fais les yeux. Ok, du coup, au niveau des yeux, moi je mets un primer, une base à paupières quand même, parce que mes fards ont tendance à filer, déjà l'ancien de l'eye mark, et mes fards ont tendance à filer, donc je mets le Eyeshadow Primer Potion. Ouais, c'est ça, de Urban Decay, qui fonctionne très bien. Je trouve par contre qu'elle laisse des petites plaques. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé ou si ce que vous en pensez, etc. Mais bah, je vais vous montrer, mais il faut les estomper hyper vite. Et même en les estompant vite, je trouve qu'elle laisse des fois des plaques qui sont vraiment pas retirables au niveau de la paupière. Donc, ça fait bien tenir, mais si ça laisse des plaques pas jolies, bah, du coup, c'est pas hyper pratique. Pour autant, j'en ai pas trouvé des aussi bien qui faisaient tenir aussi bien, donc je continue à utiliser. Mais vous voyez là, je l'ai appliqué. Il faut que je l'estompe. Bon là, ça ne me l'a pas spécialement fait et tant mieux. Mais des fois, ça laisse des petites plaques de produit parce que il est assez, assez sec et donc il marque. Parce que bah, c'est sec pour bien faire tenir, j'imagine. Mais bon là, ça va. Hein, mais, mais des fois, ça fait des petites plaques. On va voir avec l'autre. Alors, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais ça fait comme des petits points marqués, en fait. Là, ça va. Je trouve que ça va. Des fois, ça fait pire. Mais je sais pas. C'est pas ce qu'il y a de plus joli ou de plus pratique à utiliser. Si vous en avez une qui fonctionne aussi bien, mais sans plaques, moi, je veux bien. Parce que c'est quand même très pénible. Des fois, bah, j'ai des plaques et ça se voit, quoi. Donc, je fais un make-up des yeux sympa pour, au final, avoir des plaques. C'est dommage. Mais par contre, elle fonctionne vraiment hyper bien. Donc, pour le make-up, j'ai sorti ma Chocolate Gold, la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Je la trouve vraiment magnifique. Déjà, le packaging est trop beau. La collection, de toute façon, Chocolate de Too Faced qui sent le chocolat, c'est un plaisir. Et puis, les palettes sont vraiment jolies, que ce soit au niveau des fards ou au niveau juste du design. Voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore les fards pailletés et tout. Donc, c'est vraiment un bonheur. Le miroir est très grand, c'est trop pratique. Et bah là, je vais simplement prendre le fard noir. Alors, vous pouvez faire ça avec un liner. Je vais essayer de me faire un petit trait
de liner, mais en noir pour que ça soit un peu plus fondu. Mais bah, pour que ça soit plus intense, vous pouvez totalement le faire avec un vrai liner. Je vais commencer par me faire un petit trait de liner tout simplement. Le petit trait de liner est fait. Alors il n'est pas parfait, je sais pas hyper bien les faire, voilà, c'est jamais hyper net, pour autant c'est pas ce que je recherche, puisque je vais mettre de toute façon un liner pailleté par dessus. C'est le liner Glitter Pop de chez Too Faced. C'est en doré, donc c'était la teinte Lucky Beach. Voilà, super. C'est un eyeliner, il me semble, qui n'existe plus chez la marque. Et j'ai pas trouvé d'équivalent parce que vraiment, c'est les meilleurs. J'arrive pas à trouver d'eyeliner qui fonctionne aussi bien en eyeliner pailleté. Et je le trouve vraiment magnifique. Mais pour moi, il n'existe plus depuis un moment. Et donc, je vais simplement refaire un trait au-dessus. Pas par-dessus, mais au-dessus, faire un trait de liner doré. J'adore faire ça. Et là, avec les beaux jours et tout, je trouve que c'est hyper lumineux. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même. Le but, c'est vraiment pas que ça soit parfait, hein, c'est vraiment de faire un trait par-dessus. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça vraiment hyper joli. Voilà un premier œil de fait. Donc j'ai fait un petit fondu noir avec un vrai eyeliner plus net et tout. Ça peut faire un autre style, mais là je préférais un truc assez fondu pour vraiment mettre l'accent sur l'eyeliner pailleté. Et voilà, je trouve que tout de suite ça apporte de la lumière. J'aime beaucoup. Les deux yeux, donc voilà, c'est pas parfait, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ensuite je prends un petit pinceau précision comme ça, donc il est pas hyper propre, je l'ai utilisé pour une autre couleur, mais c'est pas très grave. Donc c'est un pinceau, vous voyez, qui est déjà utilisé, mais ça devrait pas transpirer la matière, donc ça devrait aller. Donc je prends un petit pinceau précision, mais pas trop. Je vais prendre de la palette toujours Chocolate Gold, cette couleur Rich Girl, qui est absolument magnifique. Je ne saurais pas trop la décrire. On dirait un taupe très très clair, pailleté. De toute façon, vous l'avez vu. Et vraiment, je trouve ce fard splendide. Et donc, j'en prends un peu avec mon pinceau précision. Et j'en mets dans le coin interne. Essayez de faire comme ça, vous verrez mieux quand même. Mais c'est pas évident, j'ai peur de faire des bêtises. Hop. Et donc j'en mets au coin interne et j'essaye de le déplacer un petit peu, que ça monte et que ça prenne un peu le début de la paupière pour vraiment illuminer mon regard. Je peux aussi en mettre un petit peu en rat de cils. La dernière fois, j'en ai mis dans le rat de cils. Donc, c'était très joli. Mais par contre, les paillettes, bah, ça pique un peu les yeux. Donc, voilà. Je suis pas sûre de retenter l'expérience. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu au ras de cils inférieur et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, le make-up des yeux, maintenant je mets du mascara et c'est l'étape qui change tout. Mascara, un peu de rouge à lèvres et le look sera bientôt terminé. Pour le mascara, en ce moment j'utilise le Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Il fonctionne super bien, il permet vraiment de rallonger les cils et d'apporter du volume en même temps.
C'est un mascara que j'ai depuis plusieurs mois et il tient bien, donc ça c'est cool. Hop, je vous montre la brosse. En fait, il y a une partie très bombée comme ça, et si vous la prenez dans ce sens-là, elle est très fine. Donc, hop, je vais tomber. Donc voilà, le côté bombé, du coup, c'est pour apporter le volume. Le côté fin, c'est pour les définir. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Au début, j'étais un peu réticente. Et au final, quand on sait bien le manier, il fait des jolis cils. Donc, c'est parti. Je commence par le côté volume pour apporter un maximum de matière. Et après, je les définirai plus en détail. J'ai quelques résidus de mascara, donc j'en profite pour les enlever avec un petit coton-tige. C'est très chiant ça d'ailleurs, parce que du coup ça a tendance à défaire le maquillage. Heureusement que j'ai pas un maquillage des yeux très chargé ou beaucoup de fard à paupières. En tout cas, c'est vraiment relou. J'essaye d'enlever au mieux. Hop. Voilà, hop, et on fait l'autre œil, donc mascara. Et après, je retire les petits loupés ou les petits transferts avec le coton-tige. Et voilà le résultat pour les yeux. Il me semble que j'ai pas trop cafouillé avec cet œil là au niveau du mascara. Donc, je vérifie ça quand même. Nickel. Donc maintenant, un petit peu de rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'aime bien un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. C'est une très 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 bonne collection. Leur rouge à lèvres, s'ils n'ont pas bougé de prix, ils sont à 10,90€ ou 11,90€. Et ils fonctionnent vraiment super bien. Je les adore. Ils tiennent très bien. Ils font un joli résultat sur les lèvres. Et donc, c'est un rosé qui va tourner un petit peu en taupe. Voilà. En tout cas, c'est le numéro 13 de chez Sephora. Je l'applique et après on aura fini ce petit make-up qui au final n'a pas été si petit parce que j'ai beaucoup parlé. Mais j'espère que vous avez kiffé ce petit contenu là où je me maquille avec vous et je vous montre un peu comment je fais. Les produits que j'utilise et mes petits favoris. Donc voilà, je l'applique directement comme ça. J'avoue, j'ai même pas de... Je crois pas avoir de crayon de cette couleur là. Et puis ça applique vraiment super bien. Là c'est le coup, je me loupe et au final... Je massacre tout et je me ridiculise, mais j'aime beaucoup l'application. Donc je me tais et je le mets quand même. Et voilà le résultat sur les lèvres. Vraiment, je le trouve hyper joli. Il reste naturel. Voilà, c'est un beau rose, mais pas un rose flashy, un rose qui tire vers le taupe, je trouve. Donc voilà. Et comme vous voyez, c'est un fini mat, mais ça dessèche pas les lèvres, ça fait pas un rendu tout sec, etc. Le baume à lèvres aussi aide beaucoup. Le baume à lèvres fraîche aide beaucoup, du coup, à garder quand même une texture lisse et un petit peu pulpeuse quand même. Donc voilà pour ce petit rouge à lèvres. C'est un favori également que je voulais vous présenter. Et donc voilà pour le résultat. Moi j'aime beaucoup ce make-up pour les beaux jours. Je trouve que c'est simple et lumineux. Ça prend pas tant de temps que ça. C'est juste que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, c'est un make-up que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié mon petit partage sur voilà sur mes avis des produits présentés et du coup du make-up réalisé et de comment je l'ai fait.
Voilà, en tout cas, je suis très contente, moi, de ce petit rendu-là. C'est tout ce que j'aime. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça me ferait vraiment hyper plaisir de pouvoir partager avec vous. Et puis, à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.